Il finit souvent sur le trottoir et pourtant il est possible de recycler son sapin de Noël. Les centres de tri pour végétaux, comme ici à Décines, récoltent les arbres pour les transformer en compost et ensuite le redistribuer. Le sapin va arriver sur le site, il va d'abord être broyé, donc il va passer dans un broyeur pour le couper en petits morceaux. Ces petits morceaux après vont être oxygénés, donc on va envoyer de l'air dans les morceaux pour que les bactéries puissent se développer. Au bout de 5 mois, on va avoir un compost. Donc ce compost, il va être utilisé principalement par les agriculteurs de l'agglomération lyonnaise pour faire pousser des céréales ou des légumes de manière naturelle, de manière biologique. Et puis 150 points de collecte sont disponibles dans l'agglomération.